Salut tout le monde, c'est Enox. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale sur Battlefield Bad Company 2 et je suis en compagnie d'une mauvaise troupe. Et c'est... Ne parle pas sans que je te présente déjà à toi. Et la mauvaise troupe c'est... Ben parler, voilà. Maintenant tu peux parler, vas-y présente-toi. Bah, je suis dans un mini-tour déjà. Donc... Présentez-vous bande de mauvaises graines. Bah je m'appelle Canchin. Canchin, d'accord. Mais je suis plutôt nu sur le nom de Canchin. D'accord. Un autre. Ja, guten Abend, ich heiße Sun Liberty, ja. Voilà, d'accord, mais... Oui. Non, je déconne. Non, que non, non si, parle allemand. Non, si, ça y est, t'as voulu parler allemand. Non, tu parles allemand. Quoi? C'est bon. Je m'en fous. Pardon, ich heiße Sun Liberty, oder Mr. Atro Player. Und heute präsentieren wir... Bon, ta gueule, c'est chiant. Bon, pas trop non à toi. Bah, voilà, c'est pas trop non. Voilà, c'est bon, on peut passer. Pas trop non. Vous pouvez pas trop non. Voilà. On est dans le bas de salon. Voilà, c'est ça, c'est bien. Alors, et voilà, non, et en gros... Non, ta gueule. Tu dis pas que tu voulais pas la faire. Ta gueule, tu l'as fait, tu fermes ta gueule. Non, c'est Jerry Storm qui est avec nous. Tu parleras en Jerry Storm, voilà, c'est mais bien. Non. Oui, si, non. Bref. Non. Et non. Là... Non, c'est Lenny, Non, c'est Lenny, là. Bon, en gros, nous sommes moi et Retro Player contre Kenshin et Pacrodon. Ils sont dans l'armée adverse et on doit les niquer. Voilà, je vous explique pas le but du jeu, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Voilà, allez Retro, on les nique. T'es prêt? Non, parle allemand, j'ai dit. Ah. Si, on les nique en allemand. Tire, il y a un char devant toi. Et voilà, on s'est fait niquer. Non, on s'est fait niquer par un char. Nous sommes tués. Alex, 3-4, putain, ça c'est du nom quoi. Ah oui, ça c'est du nom. Bon, Very Pop en B, tu me suis? Non, ah putain, je viens de repop au point principal. Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux me faire ça? Je pensais prendre un véhicule. Oh. Ah, c'est l'hélicoptère qui vient me prendre et on les nique. Boum, j'ai éclaté un mec qui s'appelle Halal. Halal? Non, c'est Halal. Non, Halal, tu t'es trompé. Il est Halal le mec. Oui. Et sinon, alors les mecs, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu magnifique qui est sorti il y a 6 ans? Il est magnifique. Oui. J'y ai quasiment pas joué, mais après ça. T'es où là? Ouais, moi je suis en train de marcher dans la forêt. T'es où? C'est toi qui es dans l'hélico là-bas? Ouais, je suis dans l'hélico là. Allez, viens, prends-moi. Mais, prends-moi. Tu m'écrases pas. Non, mais ta gueule toi. Et pas d'allusion. Pas d'allusion homosexuelle dans ma vidéo, s'il te plaît. Je suis là en bas de toi, regarde. Vas-y, atterris. Attends. Ah, tu vas m'écraser. Eh, tu m'écrases, je te tue. Vas-y. Atterris. Eh, hey, les mecs, je vais piloter l'hélico face à vous. Eh bah, mais atterris, le mec il se casse là. Mais attends, mais... Allez, viens là le nazi. Allez hop. Il s'est écrasé comme une merde. Tu vas à 50 HPM, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, j'arrive, je suis derrière toi. Ah, tu peux réparer ou... Non, je suis pas mécanicien. Merde. Bon attends, descends, je monte, c'est moi qui pilote, j'ai pas confiance en toi. Ok, merci. Merci, au revoir. Allez. Vous êtes où? Allez, hop. On est dans un hélico. Mais c'est toi qui est en face là? Tiens-lui dessus. C'est lui. Il est où? Tiens-le dessus, il est devant. Regarde, il nous tire dessus. Il sait pas conduire, il va mourir tout seul. Regarde, il est mort tout seul comme un handicapé. Oh, quel handicapé. Oh, je me suis fait descendre par une... Ah, on l'a eu. Voilà, regarde, on est en train de déniquer un hélico là-bas, vas-y. Envoyez-le. Où ça? Regarde, non, pas un hélico, un char, regarde, en bas. Vas-y, tire. Ah, ouais, envoyez le principe de Bad Company 2, c'est vraiment géant. Franchement, c'est excellent ce jeu, je sais pas. Comparé les maps sont d'une taille. Mais en multi, oui, ils sont d'une taille, c'est grand, non, franchement, le jeu. Pourquoi il parle pas, par contre? Parce qu'il fait sa vedette, en fait, tu vois. Il veut pas parler. Pourquoi est-il si méchant? Je suis dans un hélico et je vais vous foncer dessus. Oui, tu es où? On ne te voit pas. Eh, là-bas! Vas-y, devant nous! Il nous tire dessus, vas-y! Mais il sait pas jouer, nique-le! On va lui rentrer dedans, attends, rentre-nous dedans! Nickel, non, il nous a tué! Ah, on est morts tous les deux! Double KO! Mais non, il est pas mort, regarde, il est parachuté! Ouais! Salaud! Regarde-moi ça! Et 1 contre 2, j'ai gagné! Non, t'étais 2! On était 2! Ah putain! Voilà! Oh, oui, rejoins-moi, suis-moi! Derrière toi! Et donc, je disais donc. Ah oui, je suis derrière toi! Je disais donc que ce jeu était très bien! Car, c'était pas du Call of Duty! Ah, boum, Call of Duty! Boum, Call of Duty! Call of. Dites tous que Call of Duty c'est de la merde pour avoir des MP qui vous insultent. Bah, Call of Duty c'est trop bien.
Ras le PD, ras le PD. Ouais, les gars, Colosse, c'est trop bien. C'est... Il nous offre des maps à 15 euros, c'est trop bien. Mais bien sûr, mais attends, tu dégones ou quoi, Call of Duty, c'est clair. Non, j'écrase des gens avec les tanks, c'est génial. Un peu plus sérieusement, ça va être juste la phase sérieuse pour 10 secondes. Faut savoir que DICE, franchement, ils font des FPS largement meilleurs que ceux d'Activision. Quel que soit le FPS, hein, que ce soit Battlefield ou autre chose, faut dire que DICE, ils sont assez ils font de bons jeux, voilà, en général, donc ouais, ils sont bons, en général. Ouais. C'est oui. Comment ils oh, la blague, stop, j'arrête de conduire, j'applaudis. TGVO, il a fait une blague. Répète-la, ouais, Kenshin. J'en ai une bonne blague. Répète ta blague. Mon général, en général, t'as dit. Comment les... J'ai pas compris, mais non, je n'ai pas fait de blague. J'ai une blague, mon dieu. D'accord. Bon. Vas-y, fais-la. Si c'est mauvais, je te banne. Est-ce que vous savez-vous comment les développeurs de DICE ont eu l'idée de Mirror's Edge? Quoi? Comment les développeurs de Mirror's Edge ont eu l'idée de créer le jeu? Ont eu l'idée du nom, quoi. Attention à ce que tu vas dire. Vas-y, dis, je bon, sais c'est pas. Oui, mais je l'ai dit quand même. Ouais. Eh ben, ils ont vu Edge regarder son miroir. Donc, Mirror's Edge. Ok, je quitte mon char, je te laisse tout seul, allez, ciao. Allez, je me casse. Insultez-le, traitez-le. Bande de pédé. Ah, Rétro est un pédé. Mais non, juste à peine. Attends, je te récupère, attends. Je veux pas monter avec toi, tu pues. Non, monte pas, je veux pas monter, tu pues. Je monte pas. Non, me tire pas. Putain, il me tire dessus. Bon, je monte. Ouais. Bon, vas-y, Suisse, moi pendant ce temps, je vais... Contrôler cette tourelle de défense pour niquer les putains de Russes, parce que c'est les Russes contre les Américains. Ouais, Pacrolon ne parle pas, hein. Bien sûr, quand il s'agit de, pas de ses vidéos, il ne discute pas, tu vois. Mais qu'est-ce que je dis sur le jeu, toi? Attends, je connais même pas. Mais parle-nous de Jerry Storm, fais-nous une imitation de Jerry Storm, allez. Salut, c'est Jerry Storm, on se trouve dans le bas du salon, voilà. Eh, l'enculé là-bas. Ah, c'est fait. Ah, j'ai changé les chips, c'est fait. Ah, viens avec nous. Mais voilà, quoi. Ah ouais, trop bien. T'as descendu chariot. Je vais te tuer! Non! C'est bon, j'ai débuté! J'ai bloqué le groupe, attends. Oh merde, oh c'est un Je vais débloquer le groupe très vite avant de me faire niquer. Hop, viens! Vite! Hop, c'est bon. Non, viens, prends tes sorties! Rentre vite! Viens, bon, j'ai bloqué le groupe. Bon, pas trop tu sais ce qu'il te reste à faire? Tu te TP dans le team. Je suis mort, non. Merde. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ton rebelle. Et pourquoi Pacrolon tu fais ton rebelle? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pacrolon le rebelle. Oh mon dieu. Il va la chanter. Voilà, je lui ai dit de pas chanter. Je vous jure que avant la vidéo, je lui ai dit de pas chanter. Venez, je suis à te dip. Non. Ah, Kenshin le chanteur, ça lui fait. Une gym, moi aussi. Bah oui. Ah non, il y en a du tout. Et sinon. Et sinon, Pacrolon, as-tu des projets de vidéo en ce moment? Non. Tu n'as pas de projet. D'accord. Mais j'ai pas envie d'en parler avec Steve, non? Hein? Est-ce que tu es content de faire cette vidéo avec Steve? Mais je l'ai même pas encore faite, abruti. Crah là là, mais ne me traite pas d'abruti dans ma vidéo. Mes abonnés vont penser quoi après? Espèce d'enfoiré. Ils penseront ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent? C'est pas très français. Suisse, conduis. Mais Suisse, conduis? Oh, il s'est écrasé comme une merde derrière. Mais regardez-moi ça! C'était toi qui avais l'hélico ou pas? Regardez, attendez, stop, arrête de bouger, regardez là. Regardez sa barre de vie comme elle est entamée, il s'est écrasé là, regardez. Regardez son hélico comment il a fini. Mais qu'est-ce que c'est? Mais espèce de noob, là. Mais tu es qu'un noob. Non, attends, nique pas l'hélico, attends. Il est parti. Ah, Rétro ne bouge plus. La scène Liberty ne bouge plus. Moi, je suis en FK, je suis de retour. Ah, il y a plus de place, faut que tu sautes sur le char. Traître, attendez, je vais essayer de monter dessus. Monte. Il monte pas, tant pis pour lui. On s'en fout, on le laisse. C'est plein, mec. Oui, mais t'es allemand, on s'en fout. Vas-y, continue, on s'en fout. Attends, on va voir, attends, l'hélico, c'est comment ça se conduit? Oh putain, il faut voir pas trop long conduire un hélico. Regardez. Fait un coup dans la tête. Oh, ouais. Oui, c'est réaliste. Alors, non, mais pour parler un peu du jeu, il y a aussi. Le fail, il s'est pas détruit. Alors, vous voyez qu'on peut détruire tout et n'importe quoi, mais c'est très scripté en tout cas. Ça. C'est une déception pour les patrouilles. Bah t'as fait 3 sur moins scripté. Regardez, ah, ça en l'espère. J'ai passé 10 secondes en me crachant, voilà. On va tenir 10 secondes dans l'hélico. Ah, attendez, putain. J'arrive, je vais prendre un... Ah, y'a un char là-bas, tire-lui dessus. Touché. Mais tire-lui dessus. Attention là, ça fait... Ouais, ça fait un peu. Avec une Jeep, donc vas-y. Si vous avez besoin d'un bon pilote, bah je suis là. Quoi. Non, attends, on va le niquer. Il s'enfuit, mais arrête de bouger, Kenshin. Attendez, je vais l'écraser, il est où là?
Mais tu vas écraser. Ouais! Putain! BOUM! Putain, mais on... attends, je me casse parce qu'il n'y a plus que 17 points de vie dans tout ça. Mais attendez, vous êtes tous. Viens, viens, monte, la... monte dans la Jeep, Kenshin, derrière toi. Ouais. Mais crasse pas, putain! Vas-y. Allez, monte! Alors, allez, oui. On va les péter! Ouais, oh! on va les niquer la gueule à Pacrodon! Pacrodon, t'es où? Non, fais pas dire les Storm! Non, là, il a fait. Ouais, ouais, il est dans la Batcave, comme dirait. Bah, allez, on va en A, les mecs. Mais pourquoi tu vas là-bas? En A. Écrase-le! Je vais l'écraser, ouah! Oh, attends. Mais non, tu l'as loupé! Oh, putain, je me casse! Cassez-vous! Oh putain, il m'a écrasé! Il m'a écrasé! Il est où? Oh, il est où? Et le mec, il a plus beaucoup de points de vie là. Il est où, Charme? Je vois plus. Je ne sais pas, il était devant toi. Ah oh, putain, je suis mort. Alors, je donne juste. Ouais, il s'est planqué, c'est bon. Il est devant toi! Il est devant toi, tu l'as! Putain, je l'ai buté, mais t'es aveugle ou quoi? Tu l'as pas tué, il était devant toi. Mais c'est moi qui l'ai eu. Non, c'est moi. C'est moi, c'est moi, menteur. Mais non, c'est moi. J'ai bien vu, c'était. Bah, allez, vous faire enculer, c'est moi, c'est ma vidéo, ta gueule. Mais ferme-la, ta petite balance, plus tu parles pas, là, salaud, va. Tu sais, il parle pas, il. Non, c'est Kenshin. Non, c'est Kenshin. Ah là là. Je suis pas le premier à défendre Kenshin, mais là. Non, ah, c'est un drapeau, non! Il est où, Paco? Il est où? Drapeau. Je suis mort. Oh non. Bah, je suis planqué, j'ai pris une Jeep, je me casse! Attends! Monte! Le drapeau capturé, la merde! Mais non, on s'en fout du drapeau! Eh, là-bas, regarde-le! En face de toi! Putain, il est mort, ouais, sérieusement. Quoi, mais... Attends. Non, non, il est mort, rien. Mais tu vas où, la merde? Enfin, je retourne là-bas. Ouais, on est des fous! T'as fait gaffe, il y a un hélico, on va se faire descendre. Alors, je conduis comme un ivrogne, c'est ouais, magique. Ouais, ça, on a capé, merci. Alors, on a explosé. On a explosé. C'est beau. On s'est fait descendre. Tout ça, c'est de la faute à... Donc, bah, faut parler un peu du jeu aussi. Oulalalala, tu viens de dire un mot. Je te signale qu'on est dans ma vidéo, et tu me traites de chauve. Y'a un hélico. Je crois que je vais bipper ce mot-là. Je vais le bipper. Attends, non, c'est moi qui conduis. Les mecs, c'est moi qui conduis. Non, non, non. Mais non, descends! Descends, je veux leur montrer l'hélico de l'intérieur! Mais descends! Mais bande d'enculés! Y'en a un autre, y'en a un autre. Vous me le paierez. Vous me le paierez. Il est où? Ah, tu sais quoi, je suis bon joueur, je t'attends, moi, tu vois. Il est où? Il est là-bas. Il est un peu plus bas. Quoi. Je vais vous montrer comment piloter un hélicoptère en deux leçons. Un, on monte. C'est beau. Deux, on décolle. Il me tire dessus, mais il me tire dessus! Espèce d'enculé! Ah! Je vais mourir. Je vais mourir. Mais qui c'est qui me tire dessus? Mais c'est vous, bande d'enfoirés là. Bah, un balai aérien là. Mais les mecs, on est dans la même team, il faut tirer sur Pacrodon, bande d'enculés. Là. Ouais, c'est moi les hélicos là-bas là. Ouais, ouais. Les deux hélicos, c'est nous. T'es où toi, Pacro? Je sais pas, mais. Non, mais suicidez-vous et montez dans mon hélico, les mecs. Tuez-vous. Ah, il a explosé. Il y a un hélico qui a explosé. Mais tuez-vous. Montez avec moi. Ouais, attends, reste en stationnaire, on arrive. Fonce quoi, le trou. Fonce. Bah fonce. Non, mais fonce. Suicide-toi. Non mais je voudrais parler un peu du jeu. Ouais, j'ai compris. Ah. Non mais les mecs, je voudrais parler un peu du jeu quand même, hein. C'est parce que voilà, qui a fait le solo ici? Parce que je n'ai pas fait le solo. Kenshin. J'ai fait le solo. Parle-nous du solo. Il est bien. Voilà. Mais moins c'est fun bon. Que le premier. Non, t'as dit il fallait dire juste qu'il est bien, putain. C'est bon. Putain. Ouais, il est bien. T'as fait. Moins fun que le premier. Et moins libre aussi. Ah. Mais le multi est génial. Non, faut dire la vérité, le multi est génial de Bad Company 2. Franchement, on s'éclate bien. Les graphismes sont plutôt assez jolis. Oh, franchement, il est très bien optimisé sur PC. Bon, vous pouvez fermer vos gueules, je suis en train de parler du jeu là, bande d'enculés, c'est ma vidéo, merde. Putain! Mais c'est... vous n'êtes pas des invités, vous êtes des enfoirés, c'est tout, c'est pas pareil. Non. Ouais, je disais donc. Ok, je me jette de l'hélico, je te laisse tout seul. Voilà, je le laisse mourir. Voilà, regardez, je le laisse mourir. Voilà, il s'est craché. Non, parce que là, t'as fait une blague de merde, je peux pas te laisser. Voilà. Non, il a chanté. Il a fait une vanne avec les enfants. Attends, mais l'hélico s'est pas craché? Mais l'hélico s'est pas explosé, mais LOL! Mais c'est quoi ce délire? Bon, bah redécolle. Allez, redécolle. On attend Kenshin. Mais non, c'est moi alors qui prend le pilote. Non, mais c'est qui? Bah vas-y, décolle. Voilà, on peut décoller. Merci, monsieur. Il y en a là-bas, enculé. Je l'ai vu par le chute. Sauf ça. Là-bas, au fond. Non, mais c'est pas grave. Bon, bref, vas-y. Putain, mais quelle lourdeur cet hélicoptère, c'est putain, mais attention, il a plus beaucoup de points de vie. Il a que 28 points de vie, donc fais gaffe. Vous voyez en bas à droite les points de vie du véhicule. Mais c'est qui pilote là? C'est moi. D'accord, t'as quoi dedans, t'es où? Ah, quelque part! Quelque part! S'il vous plaît! Non, je fais aussi cette vidéo parce que bientôt. Fais ce que je te dis!
Ouais, hommage à Steve. Non, mais non, pas. Mais tu vas nous tuer, putain, je me casse moi. C'est bon, je me suis cassé. Et je suis en plein. Et je suis dans la base ennemie, on fait du raid base. On baise la rap. Non, ça veut rien dire. Non, oui. On est pas dans l'hélico, nom de Dieu. Non, alors je disais donc que je faisais cette vidéo pour. Et viens la Suisse, on fait de l'infiltration dans leur camp. Quoi, t'es où? Ah, je me fais tirer dessus. Attends, merde. Mais non, mais y'a un char. Mais arrête, nom de Dieu, mec. Oh là là, putain. Alors stop, applaudissements. Voilà. Je voudrais dire un truc sérieux sur cette vidéo. Donc je l'ai faite. Parce que Battlefield, mais ta gueule, Battlefield 3 va bientôt sortir, et donc je me suis décidé à faire cette vidéo parce que c'était le dernier Battlefield en date, et que je voulais vous le montrer, avec des gens, et voilà, suivez-vous. Parce que c'est plus fou. Venez dans la Jeep. Allez là-bas la Jeep. Oh merde. Je conduis. Non, c'est moi, t'as conduit tout à l'heure. Non, c'est moi. Sors, mais pas moi! Mais oui, je suis un gamin, mais je vous emmerde. Et rien que pour ça, je te laisse seul. Non, je te laisse seul. Attends, on va rentrer dans Kenshin, il est où? Attends, merde, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un bug. Oh putain, le demi-bug! Mais viens avec moi! Pourquoi tu me pousses là? Viens avec moi, Non! Vous m'avez laissé seul, vous m'enculez! Salaud! Bande d'enfoirés! Vous savez, parce que pas comment il délire ça depuis tout à l'heure. Viens dans notre équipe, essaye de devenir. Essaye! Fais entrer, appuie sur entrer et regarde s'il y a des places. Là, tu peux en plus. Là, l'équipe que vous voulez rejoindre compte déjà trop de jours. Non, c'est faux parce que moi, c'est ce qui s'est arrivé tout à l'heure. Et vu les nombres de places, tu peux. Bah là, je peux pas. Ouais, mais ouais, quelqu'un veut expliquer dans la vidéo le principe du jeu un petit peu parce que je pense que. Non, j'ai rien compris les gens qui regardent depuis tout à l'heure là. C'est pas le but en même temps quoi, c'est pas le but. Oui, non mais non, si, c'est un peu le but, un peu quand même, un peu. Donc le but c'est de capturer les bases. On a une base ABC, vous le voyez sur le HUD là. Hop, ABC, et le but c'est de niquer les bases aux ennemis. Le HUD. Voilà, le HUD. HUD. Oh putain, ils sont sur un tank. C'est pas grave. Donc quelqu'un et quelqu'un veut allez, je sais pas, attends. Putain merde. Ah ouais. Alors là on essaye de prendre la base. T'as un tank devant nous, y'a un tank devant nous, putain. Putain, merde, juste enculé, mais y'a un mec qui m'a quel con. Y'en a un juste là, y'en a un. Putain, mais je suis mort. Pacrodon s'est suicidé, vous l'avez vu? Vous l'avez vu, hein? Y'a marqué Pacrodon s'est suicidé, je vais le mettre en gros seul dans la vidéo. Je vais le marquer. Tu es un noob. C'est bon. Alors on a plusieurs classes aussi, ça je voulais pas montrer mais bon, c'est... en même temps la vidéo est tellement catastrophique. Alors on a une classe assaut avec des armes de base et on peut distribuer des munitions à nos coéquipiers. On a la classe ingénieur qui permet de réparer des véhicules endommagés et de poser des mines ou avoir accès au bazooka pour défoncer des chars ennemis. Mais ta gueule, je parle. Vous voulez vous taire là, c'est pas la fête du slip les mecs, c'est une vidéo présentation quand même, merde. Faites chier là. On a médic aussi. C'est bon. Le médic c'est le seul qui peut réanimer nos coéquipiers, qui peut les rez. Donc ça c'est assez pas mal. Et les soigner, ouais. Et ouais. Et les soigner. Et on a l'éclaireur, c'est le sniper du jeu en gros. Voilà. Maintenant vous pouvez parler. Je vous fais plus chier. Allez. Ouais. Oui mais attends, je vais mettre un ingénieur pour pouvoir réparer le. L'hélico de place. Vous ça êtes va où être dur. Ouais. C'est bon. Quoi, c'est bon. Bah non, t'es dedans là, non? Non. Je suis à pied. Quoi? Putain, avec honte. Fais ce que je te dis, putain. C'est bon, tout se passe bien. Là, je vous regarde, vous êtes en train de vous battre contre un hélico. Regardez, il y a Kenshin Retro. Il est rentré dedans. Pas Chrono s'est suicidé. Vous avez vu, là, les mecs qui ont regardé la vidéo, ils l'ont en plein. Pourquoi je mettrais bien l'hélico, bordel. Et là, vous avez vu qu'en fait, il y a Kenshin et Retro qui sont rentrés dans Pacrodon et c'était violent. Mais non, voilà. C'est pas trop qui est rentré dans. Voilà, vous l'avez vu. Ouais, voilà. Ah là là là. Mais j'ai survécu, je tiens à le dire. Oui, je vois là-bas. Tu es médic. Je vais les niquer et non. Ouais, non. Et sinon, bon, bah, pour parler d'autre chose, je sais pas, c'est qui vos testeurs préférés? Gary Storm, Gary Storm. Casse dédié à. Je fais plus de vidéos, donc c'est bien. Moi j'aime bien L4 dans Snake en vrai. Salut, chez L4. Salut, chez L4, tu. J'aime bien tes vidéos. Non, qui c'est qui a vu Snake en vrai? Qui c'est qui a vu Snake en vrai ici? Parce que c'est quand même Snake en vrai. Le colonel camping. Est-ce que t'as aimé quand il a refait Crozer avec un pull Adidas et un beret? Non, moi j'ai aimé que je vais balancer une dynamite! Oh putain, mais ça c'était magique quand même. Voilà.
Moi j'aime bien L4, je t'aime. Si tu veux faire une vidéo avec moi un jour, ce serait cool. Bon. Vous êtes tous les mecs sucelles là. Les mecs. Hooper, il est gay. Hooper? Mais ah, il oui. est gros aussi. Bah, c'est vrai que Hooper il aime bien L4 en plus. Ouais, mais c'est un peu son frère. Mais il est caché, on ne savait pas. En fait, non, c'est non, le. Son frère, c'est Georges Grenier. On avait dit que c'était Georges Grenier. Ah, moi je pensais que c'était son père, merde. Bon, mais ça va. Mais ça veut dire. Attendez, mais ça veut dire que Hooper est sale? Parce que, bon, le genre de données est un peu. Ah non? D'accord, bon, c'était une vanne. C'est une vanne de merde, bon, on oublie. Tu l'aimes bien, Jean-Grenier, putain, connard. Bah, je l'aime bien, mais il est sale, quoi. Il a les doigts sales, je suis désolé. Il a les doigts sales, tu. Oh, ah, il tient dessus. Bon, quelqu'un veut venir avec moi, je me sens. Mais attendez, je vais me rendre compte d'un truc. Regardez le nombre de tickets qu'il faut avoir pour gagner la partie. 1379. Ah ouais, ouais, j'ai vu, c'est. Ok, tu crois qu'on va faire une vidéo de cette longueur-là? Non, mais jamais de la vie, là. On va s'arrêter. Ça fait combien déjà de minutes, là, qu'on parle et qu'on dit des conneries, là? Je sais pas. J'ai une idée, moi. D'accord. Oh putain, ça va faire. Il y a un mec là-bas, Il est déjà 10h moins 10. Mais non, mais oui. Mais j'ai tué un mec, vous avez vu comme je suis impressionnant, les mecs. J'ai tué un mec. Ou pas. Oui, vas-y, fais-la. Attention à ce que tu dis, ça... hein. Tu sais, les Arabes, ils ont pas le droit de mentir. Tu sais, les Arabes, ils ont pas le droit de mentir. Ouais, bip, bip, censure, bip. Pas de blague sur les Arabes. Non. Ouais. Non, non, non. C'est drôle, tu vas voir. Tu vois, c'est drôle. Si, attends, si c'est la blague du. Attends, si c'est la blague du magret de canard. Si c'est la blague du magret de canard. C'est je te jure que je te mute. Ah mais c'était c'est... ça c'est... Mutez-moi ce connard. Je vais te bloquer dans la vidéo. C'est une blague de merde. Non, attendez, les gens ils la connaissent pas. Je comprends, la raconter. Ouais, vas-y, raconte là. Et ben en fait c'est les Arabes pour manger de porc. Bah en fait là-bas bah ils mangent du maghreb de canard. Voilà. Donc je vous explique un peu la blague. C'est parce que c'est Steve, son mec, qui l'a fait la blague. Et pas trop long, vu qu'il suce Steve, bah il a fait. Non, c'est atroce. Bah elle est bien cette blague. Non, elle était pourrie, tu crois qu'on va... Le maghreb de canard, moi je trouve ça magique. Ok, d'accord, si tu veux. D'accord. Ouais, bon, quelqu'un a une autre blague là? Kenshin, as-tu une blague? Merci. On va faire la liste des blagues, vas-y. Kenshin, as-tu une blague? Kenshin? C'est qui le connard qui me tire dessus? C'est qui? Ok. Ok, la blague bon, de Kenshin s'est explosée. Ouais, j'avais la blague de Peace Walker, mais ça tombe à l'eau. Ah non, mais pour faire la blague de Peace Walker, faut que je te dise derrière. Peace Walker. Hé, mec, je te pisse au cul. Et là, tu réponds. Stop Peace Walker. Oh yeah! Trop bien! Mais voilà, ça tombe dans l'eau. Voilà. Ça tombe à la pisse. Et là, je vois Kenshin en train de tirer dans le ça sol. Ça tombe on sait à pas la pisse. Walker. Bah, faut arrêter les mecs là, ça. Et vous trouvez pas que Bibi. Vous trouvez pas que Bibi quand il dit ouyeah, on dirait qu'il vomit? Non? Ouyeah! On dirait qu'il vomit un petit peu. Non? Non. C'est pas faux. D'accord. C'est pas vrai. Et là, oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié parce que Kenshin est fanboy de Bibi, faut pas se moquer de Bibi. Parce que sinon, Kenshin il va s'énerver, il va dire hé, moi, je vous banne tous! Non? D'accord. Même pas vrai. C'est même pas vrai. C'est bon. Des trucs qu'on dit sur moi. Ah, je me suis suicidé. Oui, ça fait la troisième fois. Pacrodon, vous avez vu le niveau de Pacrodon dans le jeu, bien sûr. Hey, ah non, mais c'est une pauvre. C'est une bonne bouse. Viens! Bon! On va attacher, on m'a obligé. Venez, on fait la vidéo. On va sodomiser Pacrodon. Vite! T'es où, Pacro? Attacher. T'es où, Pacro? On arrive. On va sodomiser avec des grenades. Dans le jeu. Ça tire de partout. Là, il y a des armes. Sniper, il est là-bas. Attention, il y a Kenshin qui conduit là. Vous voyez que Kenshin est en train de me conduire. Il est là. Il a écrasé. C'est bon, là-bas. Oh putain. Ah, loupé. Merde. J'ai eu. Mais je suis dans le rouge. Ah, je suis mort. Mais c'est de la bouse! T'es qui est en quad? C'est Kenshin? Kenshin non, était dans le quad, pas dans le quad, dans la jeep. Non, on était dans une jeep. Yes! Ah, c'était Bully, mais je suis dessus. Mais il a tué? Ah ouais, non, mais il y a un truc. Non, il y a un truc au spawn pour pas prendre de dégâts, je crois. Alors, tu t'es fait tuer. Voilà, tu t'es fait. Voyez l'excuse. Tu t'es fait tuer par Pacrodon. Mais tu n'as pas honte. T'avais 100 HP en tout, je t'ai dit. Putain, je suis trop un noob, quoi, je le tire de loin, puis je vois ça. Oh là là. Bon, en gros, là, je reste ici pour garder la base. Vous voyez, il y a le drapeau américain. Ah oui, on n'a même pas expliqué. On était les Américains, en fait. Hein. Oui. Et Pacro est russe. Les meilleurs. Eh oui. Trop bien, ouais. Et sinon, alors les mecs, qu'est-ce que vous pensez du Battlefield 3? Qu'est-ce que vous pensez du Battlefield 3 qui va bientôt sortir? Tiens, je me pose la question parce que je suis un peu mon journaliste. Il est trop beau. Ah ouais? Ah ouais? Et est-ce que Moda. Est-ce que Modern Warfare 3 va être meilleur? Bah déjà. Bah bien sûr. Hein. Mais bon, ouais. On n'a jamais joué à un autre parce que c'était beau, hein. Donc. Taaaaaah! Et tac la gorge! Ah non, là je dis méga gros troll parce que le Call of
Call of 4 il était quand même pas mal. Oui, mais bon, toi tu vois que Call of 4 c'est le même moteur que celui qui va sortir là. Moi, oui, oui, d'accord, mais quand c'était sorti c'était quand même pas mal. Voilà. Je veux dire, attention, ça fait un débat. Attention, ça fait débat là. Attention, je sens le clash entre Pacro et Kenshin. Attention. Mais non, mais moi j'ai que Call of 4 et ouais, non, mais vas-y, Kenshin, tu étais en train de parler, on t'a coupé. Vas-y, je te laisse la parole. Fini. Ouais, le meilleur, c'est tout simplement Battlefield pour son gameplay. Et ouais. Mais parce que c'est plus fun et c'est en coopération. Et en plus, c'est beau. Donc voilà, la vidéo est totalement partisane, vous l'avez compris. Hein. C'est pas un test, on s'en fout. Bon, bah les couilles. Call of, c'est de la merde. Je vous pisse au cul. Tous les genres de Call of, tous pareil, vous êtes tous des enculés, voilà. Non, non, mais ouais. Monde. Non, faut le dire. Non, sincèrement, faut le dire. D'accord. D'accord. Oui. Non, faut savoir juste que, sincèrement, franchement, DICE, les développeurs de ce jeu, généralement en multi, ils maîtrisent assez. Les jeux en multijoueur, les FPS multijoueurs, ils les maîtrisent assez. Bon, et c'est pas mauvais en multi, faut pas le croire. Hein. Attention, j'ai pas dit que c'était mauvais en multi, mais le problème c'est que c'est le gameplay de Battlefield Bad Company. C'est tout des campouses de toute façon. Ouais, le gameplay de Bad Company est largement meilleur quand même que celui de Call of Black Ops. Franchement, je trouve que la prise en main, elle est quand même assez fameuse dans ce Bad Company. Bah, y'a un Suisse qui m'a tué. Ah putain. Ah bon? Ah c'était toi? Ouais, c'était moi. Mais je suis seul. Facilité, c'est pour ça. Mais je suis seul, y'a personne qui veut venir avec moi. Hein? Y'a qui avec moi? Hélicoptère. Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Toujours niqué. Je suis déjà en train de te laminer alors que tu amuses de... Voilà. Allez, Patrick, rejoins la Terre maintenant. Et voilà. Bon, sinon, vous avez pas des messages personnels à passer dans cette vidéo? Parce que ce serait... Y'a un mec devant toi, rétro! Nique-le! Quoi? Y'a un mec devant toi. Ouais, mais je l'ai écrasé, il est pas mort. C'est quoi ce délire? Il est pas mort, l'enculé. Vas-y, bourrine avec de lance-grenade. Ah, hop, top. Luffy m'écrit un message, Pacro suce des grosses bisounes. D'accord. Ah, mais non. D'accord, et ils avaient dit qu'à chaque fois qu'il y a un qui m'écrivait un message sur Steam, je le traitais de PD, donc Luffy, t'es un PD, voilà. Allez, je suis mort, voilà, c'est beau. Applaudissements. Je suis mort en même temps. Bon, non, je disais, vous avez pas des messages personnels? Ah ben, non, Sunny Liberty, tu es avec nous. Non, je l'ai crassé. Donc, t'es un PD. Je me suis suicidé. Non, je disais donc, vous avez pas les messages personnels à passer dans cette vidéo. Ouais, bah je remercie Hooper parce que sans lui on serait jamais rassemblé sur Mumble. C'est pas faux. Mais bon, ça n'empêche que c'est un gros. C'est un gros. D. Ouais. Aussi. Ouais. Ouais. Et il est pas cool. Mais ouais. Bon, à part ça, il fait des vidéos de merde. Mais bon, à part ça, surtout bah, les directs en fait, live. Bah en fait, bah voilà. Bonne chance pour son site. Ah si, de temps en temps il fait de bonnes vidéos. Bon, ouais. C'est bien. Ah oui, mais maintenant il est en dépression parce qu'apparemment ils vont le bannir de YouTube et moi je suis content. Je suis content, j'espère qu'ils te bannent. Voilà, j'espère qu'ils te bannent. Pourquoi ils vont pas te bannir pour toutes les conneries que t'as dit dans ces vidéos? Ah non, parce que tu seras avec nous. Il a dit qu'il était chaud et nazi, hein, donc ça va. Oh là là. Mais vous savez que la personne qui vient de dire ça, il écoute tous les soirs à 19h le juste prix, il nous fait chier avec ça. Vous savez ça, les mecs? Vous savez, il aime le juste prix. Il. Regardez, chante, regardez, écoutez. Mais écoutez, c'est vrai. Putain, mais Sun Liberty, tu ne sais pas conduire. Non, non, c'est bon. Non, pas Crodon. Putain, par contre, faut savoir que c'est le parmi nous trois là, parmi nous quatre, c'est le testeur qui va faire le test avec Steve quoi, putain. Avec Steve quoi, monsieur indécent, putain. Tu devrais être content c'est là. Ah ouais, tu devrais recevoir une médaille pour ça. Tu pourras nous dire à quel point tu aimes Steve dans cette vidéo, vas-y dis-nous. Ah oui. Ah oui, voilà. Allez, je vais niquer un char, ça c'est assez pas mal à Crodon. Bah, dans la gueule. Ça c'est beau. Oh putain, y'a un mec devant moi. On s'est fait verrouiller. Ok, le mec il compte comme un pingouin. Combien quoi? Quoi? Comme un pingouin. D'accord. Cet accent vient de quel pays s'il te plaît? Mais non, c'est le pays du Hooper. C'est le pays du Hooper, voilà. D'accord, c'est le Hooperland. Voilà. Mais il est gay. Ça doit être très gay. Ouais, mais j'ai gay. Donc, et on peut parler aussi du Mumble, tiens, attends, mais. Pourquoi on parlerait pas du c'est Mumble pas faux. Ah oui, alors, bon, Non, n'écoutez pas l'admin principal qui dit ça. Non, ne venez pas. Ça n'existe pas le Mumble. Mais ça n'existe pas. Mais le Mumble n'existe pas. C'est une légende. Venez tous, surtout tu avais tout le temps, on a un partenariat, donc ça on va monter les stats. Venez tous. Cet été, vous suivrez la grande épopée de Hooper avec nous. Oh putain, et donnez l'adresse du Mumble, allez, vas-y, donne-la. Si t'as des cojones, tu donnes ton adresse. Je vous donne déjà le port. D'accord. Et vous ne peut rien dire de ça. Oui. 50 111.
D'accord. Mais non, mais je mettrai en lien. En même temps que tu passes, je mettrai le lien de l'adresse du meuble. Ça t'apprendra. Je le foutrai. Mot de passe, c'est Hooper. Comme ça, ça oh mon dieu, il a fait quoi. Mais tu es fou. Voilà. Bon, ne venez pas. Non, soyez sympa, ne venez pas. Non, si vous êtes Kikou, ne venez pas. Si vous êtes, et si vous avez, et abonnez-vous à la chaîne de Yo parce que ça lui fait des vues. Ouais. Mais on n'est pas team, mais il y en a un qui veut bien se faire violer. Ah bah. Ah, par des femmes. Oui, il y a un homme. Oui, à la base quoi? À la base, je devais dire de pas s'abonner, mais comme je suis gentil, ouais, abonnez-vous. Ouais. En gros, en fait, tu fais le mec qui a pitié, quoi, c'est ça? Non. Tu veux te la jouer avec moi, là? Allez voir dans la chaîne, regardez, vous allez parce que moi, ça va être sur YouTube, celle-là. Je pense que je la mettrai pas sur Daily, c'est la honte. Mais, allez sur Dailymotion et tapez Pacrodon. Et regardez la chaîne de Pacrodon, et vous allez voir, à un moment, il parle des intros de jeux vidéo. Et c'est juste magique. Qu'est-ce qu'on peut dire devant cette intro? Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. Si, une chose. Oh là là, cette intro! Oh! Ça m'a rappelé des souvenirs, alors que j'ai pas connu le jeu vidéo, c'était pas tu. Mais ça m'a rappelé des souvenirs. Bon, maintenant, vu que vous êtes des invités, je veux savoir quels sont pour vous les meilleurs jeux vidéo du monde. Allez, faites-moi un classement. Les meilleurs jeux vidéo du monde, C'est quoi les meilleurs jeux? GTA 4, ouais. Call of Duty 6, ouais. Red Dead Redemption, trop bien. D'accord, tu l'as pas joué. Voilà. Je vous dis la vérité, pour pas Chrono, c'est F6. Pour pas Chrono, c'est FF6, il a mis une roumaine dans le jeu, voilà. Mais il a dit que le meilleur des FF, c'est FF6, au moment même où il n'avait fait qu'un seul FF. C'était cool. Ah, c'est méchant. Bon, pour Kenshin, c'est World of Warcraft, c'est un Kikou. Même pas vrai. je frise, tiens, j'aime que tu frises. Voilà. Mais je pas vous. Faut pas croire. Alors, c'est quoi le jeu que tu kiffes le plus sur cette terre? Ah, y'a même pas d'histoire. En fait, ils sont fous. Mais j'en sais rien. Half-Life. Ouais, enfin, j'avoue, j'adore beaucoup. Meilleur PSF. J'adore beaucoup. Et rétro, c'est. Et Neox, c'est Street Fighter et. Ouais. Mais non, mais ils le savent, c'est ma chaîne, ils le savent. Ils le savent. Mais c'est mes abonnés. Mais vous le savez. Mais vous savez. Vous êtes abonné à ce gars. Mais vous êtes fous. Mais oui, mais ils sont abonnés. Et mais j'ai 160 abonnés, mec, sur YouTube. 160. Non, 60. 160, mais ils sont fous. 169. Ouais, désabonnez-vous, vite, fuyez. Abonnez-vous à la chaîne de Rétro, il a pas de monde dans sa chaîne, le pauvre. Ouais, c'est salaud. Ouais, salut à tous, c'est Saint Liberty. Et aujourd'hui, c'est pas une vidéo test, parce que c'est juste un genre de trailer, si vous voulez, pour ma prochaine présentation, c'est-à-dire. Donc vous voyez sûrement ici toute une petite collection de jeux qui, franchement, tout ça, ça ne laisse absolument aucun doute sur le jeu que le prochain jeu que je vais vous présenter, évidemment. Évidemment, vous l'avez deviné, il s'agit évidemment de Okami dans sa version PlayStation 2. Mais vous voyez, c'est de la pitié, tu vois. Oui, et je l'assume. Tu es un Suisse. Ouais. Voilà, on fait quoi, les mecs? On tourne en rond tout à l'heure. Je crois qu'on va conclure cette vidéo ici même. Voilà. Pacrodon, il faut qu'on. Non, notre but là, c'est de rejoindre Pacrodon et de réussir à conclure cette vidéo. Mais je l'ai tué. Ah oui, d'accord. Donc suivez-moi. On te tue pas. Un peu au. Non, il pourra pas venir, il va mourir. Attends, non, Mais si. Pacro, tu viens au spawn A. Voilà, c'est son but en fait. C'est le but. On t'attend. Je saute. Et on me tire dessus d'ailleurs. Il est pas de panqué. Je saute. Regardez, je saute. Je vais au point A. Oui. Et alors, on se tue pas, d'accord, hein. Je crois que je te vois. Et on conclura cette vidéo-là. Vous avez compris que c'était une vidéo totalement freestyle. Non, c'est pas toi. C'était une vidéo totalement freestyle, comme on dirait. Oh, putain, y'a un mec là. C'est bon, je t'ai sauvé le cul.
Ah, je suis mort derrière. Tu m'as tué. Il aurait tué. Bon, bref, bon, on va conclure la vidéo, mais il faut qu'on se rejoigne. Putain, mais attends, c'est le but de la vidéo là. Il faut qu'on se. Eh, j'ai un hélico, venez dans l'hélico là. Voilà, on va se cracher sur Pacro Denté ou Pacro. Je vous dis bye bye. Mais non, mais non, mais je vais pas le faire revoir maintenant. Mais il est con, lui dit au revoir maintenant. T'es où, parce que. Non, non, il a planté. Mais je suis là. Mais t'es pédé. Bon, bye, Kenshin monte. Voilà. Et je vous dis bye bye sur un crash. Attends, je vais faire un crash avant de dire au revoir. Je vais me cracher sur la. Si. Je t'amène avec moi dans la mort. On va s'écraser sur cette personne. Baby, I love you forever. Oh, le suceur. Regarde-le. Avant de mourir, il pense à qui? À Baby. Putain, le mec. Non, non, pas sa famille. À Baby 300. Mais Kenshin, tu peux pas l'appeler parce que c'est 7 heures passées. Tu peux pas l'appeler. Ah merde. Ah oui, il est pas là. Bon. Oh là là là. Il faut pas le dire. Oh non. Arrêtez ça. On parle pas de la vie. On parle pas de la vie privée des testeurs. Voilà, il y a un hélico juste là. On va s'écraser sur lui. Ouais. Allez, vas-y. Moi, je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Voilà. Ah, j'ai survécu. J'ai coupé. Non, je reviens. Là, j'ai relancé la capture. Regardez l'hélico. Il a pas explosé. Voilà. Et maintenant, je vous dis au revoir.